Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur mon année 2021, vu qu'on est bientôt là en 2022 déjà. Je vais vous faire un peu une rétrospective de mon année 2021. En fait, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, mais je me suis dit pourquoi pas en fait avec vous regarder toutes mes photos et vidéos que j'ai directement sur mon téléphone. J'ai pas du tout regardé en avance en fait les photos, je suis pas remontée au 1er janvier 2021. Mais je me dis que du coup on va découvrir ensemble un peu mes souvenirs de cette année 2021 qui a été très riche en émotions et je pense qui est ma plus belle année de toute ma vie. Et du coup voilà, je vais regarder un peu mes photos, je vais remonter jusque début de l'année et comme ça au fur et à mesure ça va me remémorer des trucs et je vous raconterai un petit peu à chaque fois. Alors on va commencer. Première photo intéressante, ça peut être celle-ci. Le 12 janvier, donc ça le 12 janvier 2021, c'était la veille de mon départ à La Réunion, la veille de ce changement de vie qui allait opérer en fait. Du coup j'avais passé le week-end chez ma copine Juju, que vous avez vu du coup dans une précédente vidéo, bah, quand je suis montée sur Paris là pour un week-end. Et en fait on avait passé le week-end tous les quatre, donc avec mon copain et bah, son copain Juju, où en fait c'est notre couple de meilleurs potes quoi, on est tout le temps fourrés tous les quatre. Et après bah, le lendemain, bah, voilà, ça c'est ma ganache. Alors là en fait sur la photo on dirait que je suis hyper contente de partir, mais en fait là je venais de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'allais dire au revoir à mon copain pour... normalement un an de séparation, donc autant vous dire que c'était assez dur. Et c'est pas un de mes meilleurs souvenirs en fait de ce voyage, on va dire. Vraiment la séparation et les au revoir à l'aéroport, c'était mais horrible. Je crois que je n'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. Donc ça c'était dans l'avion, je crois que j'arrivais, ouais il était 5h du matin, donc c'est ça, j'arrivais bientôt sur l'île Intense. J'arrivais bientôt à La Réunion. Ça je venais d'arriver, ouais, Réunion. Le 14 janvier, donc je venais d'atterrir en fait, ça faisait même pas 3 heures je crois que j'étais sur l'île. On voit mes pieds dégueulasses, ceux qui détestent les pieds franchement désolé. Du coup quand je suis arrivée directement à La Réunion, j'ai rencontré mes colocs avec qui bah, j'ai fait toute l'aventure. Donc bah, il y avait Charline, Anto, Fabien et Lorraine aussi au début. Lorraine, ma copine avec qui je devais repartir en Guadeloupe. On était en coloc tous les 5 au début. Après, Lorraine, elle a pris son indépendance un petit peu. Mais on est resté en coloc voilà, tous les 5 au début. Et après, nous, on a continué tous les 4. Comme c'était prévu, en fait, à la base. Je sais pas si c'est bien de faire cette vidéo-là. Parce que je vais avoir tous mes souvenirs de La Réunion. Et en ce moment, je suis assez nostalgique, on va dire. Donc, ça va être un peu compliqué. Le 20 janvier. 20 janvier, c'était notre première... rando, je me souviens, première rando, premier bivouac aussi. C'était le premier bivouac qu'on faisait ensemble avec deux copains, s'y rencontrer à La Réunion. Et j'en garde vraiment des trop bons souvenirs, même s'il a plu bah, toute la journée en fait, de 14h jusqu'à 14h le lendemain. On était trempés, trempés, trempés. C'est aussi notre premier Albert Reporter avec Charline. Minutes sans pluie depuis hier, 15h. Et en fait, je me souviens qu'à ce moment-là, on était un peu étonnés de la pluie en fait à La Réunion. Mais en fait, si on savait, là c'était vraiment que le début des pluies tropicales, des saisons des pluies, de tout ça. En fait, là c'était rien du tout ce qu'on a vu. Ah, trop stylé! 21 janvier, je retombe du coup sur la miniature de ma première vidéo que j'ai publié du coup à La Réunion. En fait je voulais absolument partager bah, l'aventure sur YouTube, faire des vlogs, faire des vidéos sur La Réunion et ça me laisse tellement maintenant des souvenirs mais incroyables quoi, c'est trop trop chouette. La dernière fois je me suis recalée et je me suis tout refait les vidéos et oh, mais trop cool en fait, rien que de voir mon évolution déjà au fur et à mesure des vidéos, la confiance que j'ai pu acquérir, puis même, enfin je sais pas, ça fait des trop beaux souvenirs, c'est vraiment trop chouette et je suis trop contente parce que là on commence un peu à s'agrandir aussi sur YouTube, je commence à être suivie par un peu plus de personnes que quand j'ai commencé forcément et c'est trop bien, je suis vraiment trop heureuse en fait d'avoir pris cette décision là, de me lancer en fait là-dedans pour avoir des super beaux souvenirs et ça fait des souvenirs en fait pour tous nos proches et même pour... bah pour les gens que j'ai rencontrés à La Réunion, je sais que des fois ils les regardent encore les petites vidéos et ça me fait trop plaisir. Et donc là ouais c'était
ma première vidéo où je vous annonçais que bah j'avais changé de vie quoi en gros. Ma première vidéo je l'avais publiée, bah du coup j'étais à côté avec Charline et on l'a regardée, on était là en mode ah trop cool, trop hâte de voir les prochaines. Enfin c'était vraiment, je sais pas, j'en garde un trop bon souvenir en fait, je me revois exactement, on était sur une terrasse là et ça y est elle était en ligne quoi. Ah bah voilà, quand je vous parlais des pluies à La Réunion, bah voilà. Excellent. Ah ouais, il pleuvait bien quand même. Hein. Ah, le piton de la fournaise, ça c'était notre première vraie rando, 29 janvier. Oh, franchement, elle était hardcore cette rando pour une première. Maintenant, on peut se dire qu'elle est simple, mais franchement, au tout début, on en a pas mal chié. Mais c'était un super bon souvenir là, de tous les quatre avec les colocs, avec Charline, Anto et Fabien. Ah, trop bien. Vous vous sentez comment là, les gars? Dangereux. C'est con, mais c'est notre première et seule photo, en fait, tous les quatre. Enfin non, il y a celle aussi au piton de la fournaise. Mais sinon, c'est notre... je crois que c'est notre seule photo de tous les quatre, là, les quatre colocs. Bon, ça nous met pas forcément à notre avantage, mais au moins, on a une photo tous les quatre. C'est quoi, ça? TikTok versus reality. Ah mais oui, je m'en souviens de ça. Excellent. Alors cette vidéo elle nous avait fait longuement rire avec Charline quand même. Donc en soi c'est on dirait les TikTok que bah ouais c'est ça qu'on fait quand on est au collège, bah c'était exactement ça là, mais on était tellement contentes et on s'était bien marrées. Ça c'était le bassin 18, c'est là où on avait rencontré tous nos copains de La Réunion et c'était une après-midi mais trop bien. Et en fait bah pour moi c'est très symbolique cette journée parce que bah là on était le 9 février, j'étais quand même arrivée depuis le 14 janvier et c'était la première fois que je me mettais en maillot de bain et que j'osais aller me baigner. Alors pas parce que j'ai peur de l'eau, enfin si j'aime pas ça, oui je suis allée vivre sur une île et je n'aime pas l'eau. Mais c'est surtout que je n'arrivais pas et je n'osais pas me mettre en maillot de bain devant des gens que je ne connaissais pas. Même si c'était mes colocs, même s'ils en avaient rien à foutre et qu'ils m'encourageaient à chaque fois. C'était quelque chose que j'osais pas du tout parce que j'étais pas du tout à l'aise avec mon corps. Et ce jour-là, bah, je me suis dit, allez, go, go girl, mets-toi en maillot de bain et profite. Et en fait, c'était, bah, je pense, une de mes meilleures après-midi, une de mes meilleures journées. Et voilà, je sais pas, c'est très symbolique pour moi parce que c'est là où j'ai rencontré... bah, les personnes les plus incroyables sur cette île où on a lié vraiment des gros liens après ça. Et c'est aussi le premier jour où je me suis mise en maillot de bain et ça c'était vraiment trop cool. Non. En fait c'est fou parce que j'arrive un peu à ressentir là surtout avec cette vidéo là l'état dans lequel j'étais, l'état de sérénité en fait. Et c'est vrai que quand j'étais là-bas, à des moments, bah, j'étais juste là sur ma plage en train de regarder l'océan et en fait je me sentais tellement apaisée, tellement épanouie. Et là vraiment, enfin ça peut se voir sur mon visage quoi, que ça se voit que je suis sereine. C'est quoi ça? Mais what? Excellent. J'adore. Original Alsace. Trop bien. Ah ça c'était la spécialité de Camille ça. C'était sabrer le champagne. C'est vraiment moi qui crie comme ça là. Ok. Ah ça c'était la visite de notre maison. Ah mais je crois que vous l'avez jamais vu, en plus je vous l'ai jamais montré. Petite voiture, du coup. Toujours aussi fière de ma voiture. Donc là ça donne directement sur le jardin. Putain, elle était vraiment trop bien cette maison. Ah, Précis Juice. Ah, avec le vieux scooter d'Anto, excellent. J'adore.
Ça, c'est une tête de meuf heureuse. De meuf où il est 11h du matin et elle était dans sa piscine un 26 mars. Et t'es là en mode, y'a quoi? Ouais, ça c'est cool, ça c'était bien la réunion. Oh, ça me manque. Surtout en fait ma tête, enfin moi bronzée. Je pense aussi que c'est un peu pour ça que j'ai eu du mal à rentrer en France et à de nouveau accepter mon image. Parce que c'est con, hein, mais je sais, enfin moi pour ma part en tout cas, je sais que quand je suis bronzée, bah, je me trouve beaucoup plus jolie forcément. Parce qu'on voit moins la cellulite, parce que bah... Je sais pas, on est plus jolie quoi, naturellement. On voit moins nos petits défauts et... Et ouais, genre là, j'ai envie d'être bronzée. Oula, c'est... J'ai confiance en toi, moi. Ah mais oui, c'est vrai, elle est trop drôle cette vidéo. Elle est trop drôle. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Avec mon cul là, qui est sans dos. En fait, ce qui est drôle, c'est que Lorraine se fout complètement de ma gueule. Et en fait, elle s'est cassée la gueule du transat. Et mais elle est incroyable cette vidéo en fait. Un peu tu galères quand même. Un peu tu galères. Hein. Allez poulet. Allez chais. Ah mais je l'avais complètement zappé cette vidéo, mais j'aime trop en fait. Avec ma petite presse, trop bien. Elle était trop bien cette soirée, franchement. Ah j'étais une bronzée, sa race. Et ça, c'est avec les colocs du bas, oui. Oh, les bébés. Beat, merci, Cobis. Ah, ça, c'est quand j'avais filmé ma vidéo, du coup, Cher Corps, où je mettais en avant, en fait, mon combat contre l'anorexie. Pareil, je trouve que c'est un moment hyper fort, parce que bah, je l'ai partagé avec Charline, et c'est hyper symbolique. Enfin, je sais pas, il y a plein de... Il y a plein de trucs en fait qui se sont passés avec Charline. En fait, on a vécu beaucoup de choses fortes ensemble qui nous ont fait avancer en fait toutes les deux et qui ont vraiment créé un lien mais indescriptible en fait. C'est, je sais pas. Je sais pas en fait, même elle n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est comme ça. Des fois, il y a des personnes qui sont mises sur notre chemin sans trop comprendre pourquoi, comment. Et en fait, elles sont là pour une raison bien précise et c'est exactement ce qui s'est passé en fait pour Charline. C'est que, ouais, je sais pas, enfin, non, si, je sais très bien. Elle a été mise sur mon chemin pour une raison et je vais arrêter parce que je vais chialer sinon. Allez, on continue. Ça, c'était un bivouac avec Louis. On était contents de manger du camembert cuit au barbecue et avec du bon vin rouge. Voilà. Les bons franchouillards, là. Ah, 2 juin, c'est quand je me suis fait tatouer. Mes premiers tatouages. Et c'est Julie qui m'avait tatoué. Ça aussi, je trouve ça hyper symbolique parce que c'est mes premiers tatouages. Je trouve ça déjà fort, le fait que je les ai faits à La Réunion. Mais d'autant plus par une personne que j'apprécie vraiment énormément et avec qui je m'entendais très très bien, avec Julie, enfin vraiment, je sais pas, c'était vraiment un petit bout de femme, genre trop trop gentille, trop tout quoi. Et je sais pas, je suis trop contente en fait que ça soit bah, elle qui m'ait tatouée et en plus à La Réunion, enfin je sais pas, je suis trop contente. Je regarderai toujours bah, ce souvenir de ok, je me suis tatouée à La Réunion et par Julie quoi, voilà. Ah oui, ça c'était notre dernier moment avec les colocs avant qu'on reparte avec Loulou. Bah Charline a été déjà plus là, mais il manquait Totoche aussi. Cette année 2021, je pense qu'elle a vraiment changé ma vie dans le sens où... Bah en fait, je me suis trouvée, je me suis complètement trouvée. Et c'est grâce au fait que je sois partie à La Réunion. Parce que là-bas, j'ai vraiment rencontré des personnes, mais... En fait, je pensais même pas que c'était possible de rencontrer autant de personnes bienveillantes avec qui tu t'entends aussi bien et avec qui t'as autant d'affinités. C'est vraiment un truc de malade, vraiment un truc de malade où je savais que j'allais rencontrer des gens, que j'allais m'attacher à des personnes. Mais je pensais pas, bah, je pensais pas en fait vivre tout ça de manière très intense. Alors je pense que le voyage fait aussi que les choses sont plus intenses. Là, je serais capable de pleurer de joie, en fait, de vraiment ce que j'ai vécu là-bas, mais c'est vraiment indescriptible et je sais que je pourrais jamais le revivre et j'ai pas envie de le revivre, en fait, parce que c'est gravé à tout jamais et je sais que c'était la plus belle année, l'année la plus riche en émotions, l'année la plus riche en évolution, où c'est l'année où j'ai le plus évolué. J'ai tellement pris du recul sur moi, j'ai tellement... appris à m'aimer, à me construire aussi. Je sais que j'ai grandi, je sais que j'ai mûri
Et je sais que ça, là, ce que je suis en train de faire, YouTube, ça m'a énormément aidée. Et je suis très contente de ce que je suis en train d'accomplir sur... que ça soit sur YouTube comme dans ma vie en général. Même si ces derniers mois, c'est pas facile, je vous le cache pas. Parce que bah, je suis dans une routine que j'aime pas forcément. Je fais pas grand-chose spécialement de mes journées non plus. Enfin bref, il y a plein d'éléments en fait extérieurs qui font que c'est pas forcément la folie furieuse. Quand je repense à cette année... vécu sur une île, putain, j'ai vécu à La Réunion, quoi. J'ai réussi à tout quitter pour vivre sur une île, et ça, c'est, je pense, ma plus grande fierté. Et en fait, moi aussi, je suis ma plus grande fierté. C'est peut-être con à dire, mais je suis vraiment très fière de ce que j'ai accompli, de ce que je deviens, de ce que je suis en train de prendre comme chemin. En fait, c'était trop bien de faire cette vidéo parce que ça m'a remémoré plein de souvenirs, des choses que j'avais complètement oubliées. C'était vraiment pour moi l'année la plus belle de toute ma vie. Je ne cesserai de le répéter. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais voir, de ce que je voulais dire. J'aime bien parce que ça change aussi ce genre de vidéo de ce que je fais d'habitude, et ça fait un peu de nouveau, et je sais pas, j'aime bien, j'ai bien aimé en vrai, j'ai vraiment bien aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez plus voir sur ma chaîne aussi pour l'année qui arrive, parce que je pense que je vais continuer d'évoluer et de faire des nouveaux concepts aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye !